Il y a 2 ans, je réalisais un film sur la bague des nuits parisiennes. Durant celui-ci, civils et policiers m'interrogeaient. Pourquoi ne franchis-tu pas la barrière du périphérique? Là-bas, tu passes de 1 flic pour 100 habitants à 1 flic pour 500. Dès lors, je m'intéressais au 9-3, département atypique dans lequel on trouve près de 200 cités dont un quart d'entre elles sont dites sensibles. Il est réputé le plus criminogène de France. Je décide d'aller voir de mes propres yeux. Est-ce vraiment une zone de non-droit? Assistons-nous à une évolution plus globale de notre société. Allez, c'est bon. Là-bas, regarde. Attends. Il y a 93, 952 Alpha, il y a une interpellation sur le parking. Attends. Je sais pas si la boîte est rentrée, comprenez ce mot. Allez. Allô, du bouche. Ouais, celui-là rapidement, allez, à 3. Selon le ministère de l'Intérieur, la Seine-Saint-Denis est un laboratoire de la sécurité. C'est pourquoi une nouvelle unité sillonne le département d'un bout à l'autre. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, plus communément appelée CS93, constituée de sections en uniforme et de groupes civils. Ils sont quotidiennement au contact de la délinquance. Durant plus d'un mois, d'un hiver à la rigueur polaire, je vais suivre, en tant qu'observateur, plusieurs de ces policiers. On a 2 blessés par balle. Apparemment, c'est une bagarre entre cités. C'est mon premier soir immergé au sein de la CS93. Je suis dans la voiture du commandant Lunel, patron de l'unité. Il est à peine 20h lorsque la radio retentit. Je suis tout de suite dans le bain. Blessé par balle, torse, jambes et bras. La glisse, gaffe. Ça suit fort. On va se calmer tout le monde, d'accord? S'il vous plaît. On va se calmer, ça sert à rien de s'énerver là. Arrivé sur place, le blessé le plus grave est encore dans le camion des pompiers. La tension est palpable. Pour que la présence de la caméra n'envenime pas la situation, je ne sors pas du véhicule. 950 sur place, demande renfort. 93, c'est 950. C'est extrêmement tendu sur place. Pour l'instant, nous sommes plus en difficulté. C'est extrêmement tendu. On a besoin de monde sur place. Que les collègues ne prennent pas trop de risques. Voilà, à la rigueur, ce que je préférerais, c'est que vous restiez à côté des pompiers pour l'instant, qu'on n'ait pas un match retour ou un truc comme ça. Que vous... Ils partent directement à l'hôpital. Je leur ai demandé de partir au plus vite d'ici. Ok, parfait. Il s'agit d'un règlement de compte entre bandes rivales. Cette cité défraye régulièrement la chronique pour des affaires de trafic de drogue ou de caillassage de bus. Parmi les 4 blessés par balle, le plus grave est un médiateur. Durant l'affrontement, il a tenté de s'interposer. Une fois la situation figée, je prends le temps d'analyser l'environnement. Je suis d'abord frappé par la jeunesse des semeurs de troubles. La plupart ont à peine l'âge du collège. Puis je réalise qu'à 7h de la soirée, la rue est encore peuplée de familles qui se baladent tranquillement. Bon, fasse hyper gaffe là. Par exemple, là, devant nous, là. Et eux, ils n'ont rien à voir avec l'histoire de bande rivale. Donc on ne peut pas employer les moyens de défense comme on veut là. Il y a une dizaine de meneurs et ils sont au milieu de gens normaux qui ont envie de vivre ici tranquille. Ce soir, je vais suivre le major Renoir, doyen de la CS. Au moment où la radio annonce qu'une voiture a refusé de s'arrêter à un contrôle routier, elle passe devant nous à vive allure. Le major Renoir engage la poursuite. Il va arriver à Victor Hugo. Il va arriver dans peu de temps vers Victor Hugo. Il continue, il a tapé. Je sors du véhicule abasourdi par la situation. Je reste donc sur mes gardes, croyant tomber sur des bandits sortant d'un braquage. Mais en fait, je découvre stupéfait que le chauffard est un gamin encore ado. Pourquoi vous arrêtez pas? Pas de permis. Quel âge vous avez? Comment? Non, à qui allez l'auto? À votre mère. Vous avez une pièce d'identité sans vous? Il a pris tous ses risques parce qu'il a emprunté la voiture de sa mère sans avoir le permis. Fort heureusement, tout le monde est indemne.
C'est Steph et Tony, deux membres du groupe civil de la CS93, qui m'embarquent dans leur véhicule. Des habitants de la cité du Gros Saule, à Aulnay-sous-Bois, leur ont signalé un attroupement inquiétant. Steph et Tony ont le groupe à vue lorsque... Attention, vas-y, recule. Ouais, 83, 952, 83. Une charge, on prépare quelque chose. Ouais, va falloir ramener du monde, là. On se fait charger, là, sur Fleming, Calmette. On va mettre pied à terre. Donne-moi le flash. À quelle hauteur sur Fleming? Ouais, 93, c'était 952 Alpha. J'ai le groupe d'individus à vue. Ils sont au niveau du collège qui est sur Fleming. Moi, j'ai rien fait. Tu fais au commissariat récemment? Non, mais j'ai rien fait. Ils nous ont chargé. Je constate à nouveau la jeunesse de ceux qui affrontent la police. J'ai l'impression que la confrontation à l'autorité est un amusement. Un gigantesque jeu du chat et de la souris, en quelque sorte. Alors qu'au départ, la situation paraissait extrêmement tendue, j'assiste maintenant à une confrontation sans but. Donc maintenant, vous allez quitter les lieux, là. Vous allez rentrer chez vous. Voilà, c'est bien. Chacun une direction différente. Oh, mais il y en a d'autres là-bas. Allez, quittez le secteur, là. Dispersez-vous. Oh, chef, vous reconnaissez? Je connais tout le monde. Ouais. C'est où, vous avez du mal à mettre les mots là, vous êtes venu à la cave. Je me mets à la place des parents. Mais là, au lieu de leur famille, ce sont les policiers qui tentent de raisonner ces gamins qui semblent en pleine crise d'adolescence. On quitte les lieux là, allez. À ce stade de mes observations, je ressens le besoin d'un regard extérieur. Je rends visite à Xavier Hofer, célèbre criminologue, afin qu'il m'aide à décrypter mes impressions. Vous savez qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme en Europe. Ce sont les centres-villes qui sont problématiques et les banlieues qui sont bourgeoises. Et donc, on a ce qu'on appelle inner city culture, la culture des centres-villes, avec certaines manières de s'habiller, certaines manières de parler. Tout ça s'est répandu comme une traînée de poudre à l'intérieur de la jeunesse un peu désœuvrée, un peu marginalisée en Europe, et ça leur sert de sous-culture commune. C'est la raison pour laquelle, que vous ayez à Barcelone ou à Stockholm, vous avez dans la périphérie des villes européennes des gens habillés de la même façon et qui tendent à avoir les mêmes mœurs, qui sont une sorte de fascination et de culte pour ce qui est illicite, ce qui est dangereux. Les stupéfiants, les bagarres, etc. Voilà. C'est une sorte de fond commun. Vous avez affaire à des gens qui, en tant qu'adolescents, s'agrège, parce que c'est un défi aux adultes, parce que ça permet de s'affirmer, parce que c'est un stade de la vie dans lequel le développement même de leur cerveau les pousse à agir comme ça. Je suis auprès de Marco. Son équipe veut contrôler une voiture avec quatre personnes à bord. Ceux-ci s'engouffrent sous la dalle de la cité Paul-Éluard à Bobigny. Le contrôle a donc lieu dans un endroit que les policiers surnomment l'arène, car il est situé en contrebas de coursives, idéal pour le caillassage. Il est d'ailleurs utilisé par les trafiquants pour les transactions de drogue. Une personne était sur place avant l'arrivée de la voiture suspecte et se trouve prise dans le contrôle. Derrière moi, ses amis l'attendent. Il est clair que ce n'est pas la police qui les dérange, mais bien la présence de cette voiture qui a fait intrusion. Faut plus rentrer comme ça. Et je parle à eux. Ouais, bon, arrêtez de rentrer bon. Comme ça. Vous énervez pas, monsieur, vous énervez pas. Voilà. On est tranquille ici, on n'a pas besoin de problèmes ici. Mais on n'est pas là pour faire des problèmes. Les problèmes, c'est... On veut pas de problème. Les gens se les font eux-mêmes, les problèmes. On veut pas d'étrangers ici, c'est tout ce qu'on veut. Allez, bonne soirée. Je comprends alors que tout individu extérieur à la cité est un étranger. Ok, allez, on y va. Par contre, on fait attention aux hauteurs. Alors, on va pas l'empêcher. Après cette étrange découverte, je m'engouffre dans le véhicule. Mais Marco et son équipe ne me suivent pas. Ils restent à l'extérieur et je les rejoins pour voir ce qui se passe. Au-dessus, là. Oh, là, sur la droite. Au-dessus, là. Il y a des mecs qui se cachent, là. Qui se cache là? Oh, je saisis pourquoi Marco et son équipe sont restés à l'extérieur du camion. S'ils étaient restés à l'intérieur, ils n'auraient pu voir leurs agresseurs. Effectivement, j'ai vu celui des caillasseurs qui a failli me fendre le crâne, Marco aussi.
Comment j'étais pas là ? Persuadé que les policiers n'iraient pas l'interpeller sur son territoire, un des caillasseurs n'a pas pris la peine de fuir. Il ne faut pas s'attarder dans la cité, car les tentatives pour délivrer les personnes arrêtées par la police sont courantes. Le mec, il reconnaît formellement. Hein. En tout point, l'individu arrêté pour la fuite lorsqu'on arrive à lui. Hein. Les autres étaient dissimulés hein, derrière. C'est des jeunes, hein, une quinzaine d'années. Hein. Casquette, vêtue de fond, hein. C'est rien d'autre. Hein. Vérification faite au poste, le caillasseur a 15 ans. Sur lui, il est retrouvé un tournevis et une somme de 200 euros. Quand je te demande s'il y a quelque chose de spécial sur toi, pourquoi tu ne dis pas qu'il y a un tournevis ? Ce soir, je retrouve le major Renoir, accompagné du lieutenant Hamel, patron des unités en tenue. On les voit souvent avec des... Putain, c'est vrai qu'il y a des enculés, là. C'est pas chez nous, ça. Il n'y a rien de cassé chez nous. Ah si, c'était ici, là, c'est sûr. Hein, c'est l'habitude. Fait partie du quotidien, malheureusement. Ils attendent qu'il y ait des morts chez nous pour peut-être prendre des... Encore, tant qu'il y aura des morts chez nous, la société s'en fout. Pour un Français, un flic mort, c'est normal. Et tu as manqué courage, hein, c'est lancé ou d'une fenêtre ou du toit, et tu t'arrêtes, hein, vu personne. Hein. Comme c'est parti là, je serais peut-être en retraite, mais vous verrez que vous tournerez en blindé ici. Il y a 10 ans, le mec aurait pilé pour essayer de faire demi-tour, et maintenant il accélère. Le gamin qui vient de passer roule à tombeau ouvert sur un motocross non homologué, sans casque et sans lumière. Croiser une voiture de police ne semble pas le déranger, et les policiers ne tentent pas de le stopper pour lui rappeler qu'il risque sa vie. Mais pourquoi ? Vous avez un gamin qui circule sur un scooter sans casque. D'accord ? Moi, je ne fais rien en tant que policier pour l'interpeller, pour lui demander de mettre un casque. Il fait 100 mètres, il glisse, il tombe sur une barre en béton. Il se tue. Je suis responsable. J'ai pas été bloqué pour lui dire. Deuxième cas de figure, je décide d'aller le chercher. Donc je mets le gyrophare, la sirène, je vais le chercher. Là, il veut pas se laisser contrôler pour juste ne pas se laisser verbaliser. Il accélère, il prend la fuite, il tombe, il vient se tuer. Marco revient d'un contrôle lorsqu'une passante l'interpelle. Elle est accompagnée de son enfant. Alors qu'elle venait de rater son bus et qu'elle attendait le suivant, un voyou lui a arraché son téléphone portable. Nous sommes à deux pas de la cité des 4000 à La Courneuve. Vous seriez capable de la reconnaître ? Oui. D'accord. Alors montez dans le TC, on va pas trouver voir si on peut les voir. Ils ressemblent à quoi, les gars ? C'est un noir. Il y en a marre des noirs. Non, mais attendez, voilà. Il était tout seul. Il a une sacoche sur le côté, il est habillé tout en noir. Ouais, ça... Il est parti vers où ? Vers là ? Non, il est parti de l'autre côté, vers entre Saint-Louis. 15-16 ans, par là. Ouais, c'est pré-censé. Putain. Et vous avez volé quoi, votre sac ? Mon portable. Votre téléphone portable ? Oui. D'accord. Regardez bien, un jeune. Au niveau de Noël Balzac, la proximité parmentier, j'ai été par une personne qui vient de subir un vol de lance, apparemment, de son téléphone portable. Hein. Donc ça serait par un individu d'une quinzaine d'années, petit patricain, vêtu de sombre. Et direction de fuite, ben, c'est le niveau de la Noël Balzac. Hein. Parce que je l'ai entendu parler avec un ami à lui, il a dit non mais il est... Non mais on sait jamais, des fois qu'il ressemble à un rôle ou quoi que ce soit. Il parlait avec un ami à lui et après il a dit qu'il... Je l'ai entendu parler, il disait qu'il allait vers la pleine Stade de France. Ouais, il reprend présence. On va faire un tour là et puis on va pouvoir aller voir. Là-bas, regardez un peu, on sait jamais. Regarde. Beaucoup d'enfants veulent devenir policiers, militaires ou pompiers quand ils seront grands, s'imaginant protéger la veuve et l'orphelin. Rien d'étonnant à ce que Marco et son équipe veuillent aider cette maman. Je lui ai dit que je peux lui laisser le portable, mais qu'il me donne la puce, quoi. J'ai gueulé, je lui ai dit qu'il me donne au moins la puce, je m'en fous du portable, mais qu'il me donne la puce, quoi. On va faire un passage devant la chaufferie, il y a toujours des jeunes, là. À la recherche du voleur, le camion de Marco arrive devant la chaufferie du Mail de Fontenay. Dans le camion, la jeune mère est prise de panique à la vue de l'impressionnant attroupement. Marco décide d'aller à leur rencontre.
Systématiquement, les bandes de la cité des 4000 s'y retrouvent, protégées du froid par le souffle d'air chaud s'en échappant. Après un méfait, certains viennent s'y réfugier, persuadés qu'ils auront le soutien de la troupe. Bien souvent, ils se sont déjà débarrassés de l'objet du larcin et se sont échangés les vêtements. Noyé dans la masse, l'auteur du vol devient impossible à reconnaître. On va vous emmener au commissariat pour que vous puissiez déposer plainte, d'accord ? Quoi, vous voulez qu'on appelle les pompiers ? Mais pourquoi il a mis ça ? Vous habitez où ? On va vous ramener chez vous, vous irez déposer plainte demain ? D'accord ? Hein ? Allez, on va vous ramener. Au revoir, madame. Je sens bien que l'espoir donné à cette femme n'est pas vain. Pourtant, il est très difficile de chasser de nos esprits un intense sentiment de frustration. C'est con parce que ça, c'est vraiment le genre d'affaires qui tient à cœur et il faudrait qu'on arrive vraiment au moment opportun. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois. J'ai dit il faudrait que ça arrive jamais quand ça tape devant nous. Si, ça arrive, mais c'est rare malheureusement. Mais c'est très rare, Marco. Bon, voilà quoi. C'est un métier frustrant. Hein. Ah, bah oui, hein, y a ça. Plus que les montées d'adrénaline provoquées par les caillassages et autres violences, c'est de ce genre d'histoire dont on ne sort pas indemne. À ce moment-là, j'ai la désagréable impression que le quotidien des 1 500 000 habitants de Seine-Saint-Denis est pourri par une poignée d'individus, des voyous extrêmement jeunes, incapables de différencier le bien du mal. Mais pourquoi faut-il donc que j'aille le constater de mes yeux ? Pourquoi, à l'heure du tout info, cet état de fait ne parvient que partiellement à notre connaissance ? Ceux qui ont pour vocation de s'exprimer en public, c'est-à-dire soit les gens des médias, soit les gens de la classe politique, etc., utilisent souvent des stratégies d'évitement. Et donc c'est l'idée bienséante que les mots provoquent les problèmes. C'est ça le politically correct. Quand on dit qu'une personne est mal ou non-voyante au lieu d'aveugle, on pense que ça va déjà mieux en utilisant un mot doux à la place du mot effectivement dur. Jeune, c'est la même chose. C'est, on utilise un mot pour pas dire voyou ou malfaiteur. Il faut bien comprendre que la presse, maintenant, dans sa quasi-totalité, appartient à des propriétaires capitalistes qui gagnent de l'argent ou qui ont envie de gagner de l'argent. Et donc, ces gens-là, ils sont dans le désir de, rentabiliser. Alors, quand des gens emploient des mots trop durs, ça fait fuir les lecteurs et donc la publicité gagne moins d'argent et ainsi de suite. Donc il y a une tendance générale dans la presse à l'édulcoration. Tout ça est naturellement à la fois cynique de la part de ceux qui disent jeunes, parce qu'ils savent très bien que c'est des voyous. Si jamais on leur vole leur voiture, vous allez les entendre s'exprimer. Hein. Mais c'est destiné à endormir le troupeau, quoi. Endormir les moutons. La Seine-Saint-Denis fait les gros titres lorsque l'on assiste à des explosions, émeutes et autres caillassages massifs. Pourtant, c'est au quotidien que les habitants subissent la loi de quelques individus violents. Sur le terrain, cela me semble évident, mais terrorisés à l'idée que l'on s'en prenne à leur famille, la plupart ne veulent pas parler. À visage couvert, Rose accepte de témoigner. Elle pourrait être votre amie, votre sœur ou votre mère. Elle travaille et élève ses enfants dans une des cités les plus remuantes du 93, le Clos Saint-Lazare, à Stain. Mais ils ne veulent pas le montrer, ils ne veulent pas le dénoncer. Pourquoi ? Mais c'est en dénonçant qu'on peut arriver à faire quelque chose. Parce que vous savez, quand vous sortez tard du soir, vous entrez, la moindre petite bruit que vous entendez, déjà vous marchez très vite, essoufflé, on a peur, jusqu'à ce que vous mettez la clé dans la porte, vous dites ouf. Et malheureusement, qu'il y a toujours ce fléau qui pourrit un quartier ou une ville ou un bâtiment, quoi. Voilà, c'est ça. Rose vient de me parler d'un fléau pourrissant un bâtiment, un quartier, une ville. Jusqu'à maintenant, j'ai assisté à des situations de violence urbaine qui, au premier abord, semblaient anarchiques, sans but précis. Pourtant, derrière cette apparence, on ne peut vraiment comprendre le 9-3 sans aborder le fléau des stupéfiants. Ce soir, Marco me montre la face immergée de cet iceberg. C'est le point de deal là, qui est juste là. Il y a un chouf, donc le chouf, il siffle, il prévient les autres montent dans les étages, c'est terminé. Hein. Il faut un coup de projecteur, on monte notre présence. Hein.
Sinon, ce serait trop facile. En général, ce qu'on essaie de choper, c'est les clients. Quand on voit que ça sort du point de vente. Tu peux voir le mec avec le bonnet là qui sortait avec son paquet de clopes là. De quoi? Le mec avec le bonnet qui sort en droite. Il y a un sac. Ouais, je vois. Sans monsieur, police nationale. On fait un petit contrôle là, monsieur. Je crois que vous avez fait tomber quelque chose, monsieur. Marco vient de retrouver un morceau de résine de cannabis impeccablement conditionné sous pochette plastique. Vraisemblablement, la personne contrôlée vient de le jeter au sol. Nous sommes à deux pas du point de revente. Marco me montre qu'en contrôlant les clients, on finit par très bien connaître les endroits où l'on revend des stupéfiants. C'est ainsi qu'on accumule les preuves de l'existence de ce qu'on appelle maintenant les supermarchés de la drogue. Dans ce genre d'enquête, les policiers préfèrent opérer en civil. Aujourd'hui, je vais suivre Steph et Tony dans leur travail pour cartographier les points de deal. Nous allons sillonner les rues de Sevran. Ils viennent de repérer un toxicomane sortant d'un hall d'immeuble. Eh ben, nous allons l'intercepter. Tony entreprend de le questionner sur l'endroit où il s'est fourni. C'est un toxo. Allez, vas-y. Et là, la seringue. Sortez là. Sortez là. T'as plus de seringue, pas de couteau, rien. Parce que je me pique pas. Non. T'as acheté? Ouais, mais j'ai fait. Tu t'es injecté là-haut? Je vous laisse vous piquer dans les escaliers. Là où ils mettent la poubelle. Dans le local poubelle? Ouais. T'as acheté à quel étage? 7e, je crois. 7e étage? C'est quoi le mec qui vend? Comment il est? Il est camoulé. Il est grand comme moi. Il a des gants, il a quoi? Hein? Il a des gants au moins? Ouais, il a des gants. Ouais. Il est cagoulé, je ne vois pas son visage. Ok, allez, bonne journée. C'est injecté. C'est injecté direct? Ouais, non. Enfin, c'est pareil, hein. Ça se trouve, il a sur lui la dose, mais alors on va trouver une dose 0. Une dose 0 sur lui, maintenant il avait la 5 sur lui. Le minutieux travail de découverte des points de deal continue en soirée. Et là, on est dans quelle cité? On est en limite des Bonnottes, en gros. À Sevran, ouais. Elle est connue pour les choses en particulier? Trafic de stup. Et moi, Sevran, on a beaucoup de halls, ça deal. Et voilà. Là, il vient de prévenir. Il vient de prévenir qu'on arrive. Et là, t'arrêtes-toi, je veux voir son visage à lui. Steph et Tony immobilisent leur voiture aux côtés du guetteur ayant prévenu de leur arrivée. Le chouf est le premier rouage de l'économie du trafic de drogue. Le plus souvent recruté à l'extérieur de la cité, il est à peine adolescent. Oui, il est jeune, hein. Présent aux heures d'ouverture des points de deal, il perçoit une rémunération pouvant aller jusqu'à 200 euros par jour. Ouais. Les deux derrière nous, là. Ouais. Bonsoir, c'est la police. On va procéder à un contrôle, s'il vous plaît. Pas de problème, souci. Voilà, vous habitez dans le coin 77. Et vous êtes en visite de courtoisie dans le secteur? On nous dit chercher un petit truc, hein. Voilà, et bien donc vous allez nous sortir votre petit truc. Et tout, hein. Ah bah, je vous donne tout. Vas-y, sors de là. Vous avez été où? Bah, sans regarder, je vais derrière moi, encore comme d'hab. Hein. Comme d'hab, comment je pourrais vous dire, je passe par le petit là entre les deux, là, entre les deux bâtiments. Et ensuite à droite? Et donc voilà, sur la droite, et gros sur la droite. Mais on va être en haut, quoi, enfin, toujours au même endroit. C'est pas bien ou pas? Non. Non, non. Enfin là, quand j'y étais, ils n'en avaient pas du moins. Ils ont sur eux? Ils ont gardé un sac. Là, ils avaient un sac, ils n'avaient pas plus beaucoup, apparemment, on voit c'était des 10 euros. Voilà, ils avaient ça sur eux, normal. C'est comment? C'est pas du top, hein. Bah, je sais pas, je vais demander au début de 10 euros de somme pour être franc avec vous. Hein. C'est pas du somme, ça? Ouais, ouais, ça a l'air du com, ouais. Ouais. C'est bien sec tout ça en plus. Hein. Oh. Tiens, pour 10 euros, t'as gagné un petit pochon. Et pour le deuxième 10 euros, bah, tu vas gagner un autre pochon. Il faut des mois d'enquête pour prouver l'existence des points de deal. Ensuite, le parquet donne le feu vert pour lancer leur démantèlement. J'assiste donc au briefing d'une opération anti-stupéfiant. Donc depuis ce matin, on a déjà du monde dans un appartement. Donc il y a deux de chez vous, plus trois de chez nous, hein, qui sont au niveau du 10, donc qui sont en surveillance. Là, en gros, on attend. Il vient d'être fait à l'instant, les deux interpelles, donc on va pas suivre. Donc, on attend des deux interpellations pour pouvoir basculer en flagrance. Et ensuite, on attend le top des collègues, que tout le monde soit présent pour aller taper tout le monde. Bon, c'est bon, là, on en a fait deux, trois déjà. Donc, là, ils ont des olives. Ouais. Donc, le mec, il est assis sur une chaise entre le deuxième et le troisième étage. Dans le hall, il y avait trois gars, il y avait deux choufs. Un truc bizarre ce matin, enfin, deux trucs bizarres. Il y a un mec qui est monté sur le toit de la tour du 12. Alors à mon avis, ils ont dû faire tous les étages comme ils font d'habitude, ils ont fait les gaines techniques, ils ont vérifié le toit si on n'y était pas. Mais bon, à voir quand même. Et donc ce qui avait de bizarre, c'est que, alors est-ce qu'ils ont été livrés ou quoi? Il y a qui est arrivé avec son X5. Non, c'est lui qui... Et qui était là aussi, alors qu'on les a jamais vus. Et il y avait 12 mecs à midi et demi. Ça, c'est bien.
Ils ont été livrés ce matin, on ne sait jamais, toute précaution utile s'il y a des armes. Voilà. Jusqu'à 12h40, il n'y a pas eu d'acheteurs, ils étaient nombreux, il est parti avec son X5 et les ventes ont commencé. Voilà, alors... Donc il y a du matos dans le coin. Ça a été livré. Okay. Pour les interpellations, on réunit tout le monde au 12 hall, dans le hall en bas. Personne à l'extérieur, on groupe à l'intérieur du hall, ok? À toute intervention. En moins d'une minute, c'est près de 30 policiers qui investissent le hall d'immeuble où se déroulaient les transactions de stupéfiants. Parmi leurs cibles, ils interpellent 8 individus impliqués dans le trafic. À l'extérieur, d'autres policiers se chargent de coincer les chouffes. Durant l'opération, la vie continue. Une fois le point de deal neutralisé, vient le moment de perquisitionner les logements des principaux revendeurs. Celui-ci, membre actif du réseau, est une des principales cibles de cette opération. Je pense que c'était écrit à un copain, là. Si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais je... Écoutez, monsieur, on va parler comme des hommes. Vous m'avez commis dans quoi ? Le vol de passe, le vol de voiture, les trous du cul. Depuis, j'ai arrêté mes bêtises. Là, tout le temps que vous m'avez pas vu, j'ai payé toutes ces bêtises. La dernière peine que j'ai mangé que des petites conneries qui dataient de quoi ? De 2002. J'ai fait 16 mois, je suis sorti. Tout mon grand-père, vous allez penser, vous allez vous manger une machine à laver. Vous cassez ma peau gratuitement. Elle vous perd, elle a travaillé toute sa vie. Toute sa vie. Toi, t'as fait quoi toute sa vie? Moi, je fais rien. Moi, tu vas voir ce que je fais. T'en as cassé les voitures. Ouais, j'ai fait des conneries. T'as cassé le bagnole, là. Lui, il bossait pas comme des connards pour se payer leur bagnole. Et toi, tu le pétais, tu reprenais ça? Mais t'as fait voler aussi. Arrête un peu. Lors de la fouille de l'appartement, les policiers retrouvent du cash dissimulé dans chaque pièce. Tu peux être dessus comme ma soeur, là, vous êtes comme des fous, là. Je sais pas du problème. Je vais vous expliquer. Elle a 5 gros frères qui la gâtent. Elle demande, elle l'a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. On va aller où vous dormez maintenant. Ça m'intéresse de voir où vous dormez. Bon, il y a un petit peu là. Combien il y a là en caillasse? Combien il y a, monsieur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est à qui? Ça doit être un petit frère. Quel âge il a, votre petit frère? Il a 21 ans. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Le pizzaiolo. Pizzaiolo, il fait 2000 euros par mois de salaire? 1200 euros. Combien? 1200 euros. Et pourquoi il a 2000 euros ici? Il a pas de compte en banque, votre petit frère? Et alors, si, on a. Ah, d'accord. Et pourquoi il n'avait pas dans le compte en banque? Et alors, si, pourquoi il est cadre dans une chaussette? Eh, hey, monsieur, je ne vis pas tout seul. D'accord. S'ils peuvent le justifier, alors on sera restitué, il n'y a aucun souci. Il y a des traces dessus, c'est bon, c'est mort. Ça sert à rien que de te mettre en tête qu'il faut gagner des millions pour être catalogué comme mineur. Un billet, ça suffit. S'il est marqué, c'est fini, c'est mort. Et moi, je suis déçu, je mets une potion avec Voilà. Ouais. Et voilà. C'est accusé de trafic. Franchement, de loi, super. C'est pas nos lois, c'est les lois françaises. C'est les textes. Hein. C'est les lois qui protègent les citoyens, dont toi compris, tes parents, ta famille, tes frères. Bon, venir, mais ça va pas mélanger. Alors, dites-moi. La porte. Ouais. Ça sera payé. D'accord. Là, 2000 euros. Sur le camp, je ne récupère pas le mec qui va me cracher. Vous avez eu le patron là, les dealers là? Ouais. Moi, je vais aller le voir et vous me donnez mes sous. D'accord. Mais je ne suis pas dans le trafic de sucre. Pourquoi? Alors, que là, alors, on m'avait mis dans un trafic de sucre. Comment tout payer. Comment expliquer que le patron du trafic d'étudiants va vous donner 2000 euros? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Vous allez dire, putain, les chars, ils ont fait un perquis chez moi, ils ont piqué 2000 euros à mon frère, donc le dealer, tu me les rends parce que quand même, je suis démêlé dans le trafic, j'avais rien à faire, j'avais rien à voir. C'est comme ça que vous allez faire? Je vous jure que je ne le récupère pas, ça va être dommage et intérêt de la cité. D'accord. C'est les économies de qui, il y a combien? Ça fait juste 3 fois. On dit 1, 2 et jamais 203, ça fait 3 fois. Donc c'est à qui, il y a combien? Dites-moi. Sans mon frère, la saison et travail au marché. Il y a combien? Je sais pas combien il y a. D'accord. On va passer les économies aussi. Bon. Je savais pas qu'il y a des sous chez moi. Je savais pas. Bon, j'aurais compris, ça aurait été des sous de fou. Non, c'est des petits sous.
Ça, c'est pas des gros sous, monsieur. Écoutez, ici, moi, j'ai 13 000 euros par jour. 150 kilos de résine de cannabis ont été livrés ce jour-là. Alors pourquoi n'ont-ils pas été retrouvés? La difficulté du travail des policiers vient de ce que le produit est stocké dans des appartements dits « nourrices ». Tout comme les appartements refuges, servant aux dealers à se cacher, les appartements nourrices sont habités par d'honnêtes citoyens. Ils sont contraints sous la menace de donner accès à leur logement. Le plus souvent, les bandes se servent de l'intimidation, c'est-à-dire de forme légère de brutalité, secouer quelqu'un en disant « la prochaine fois je te casse toutes les dents » ou alors dire « on va foutre le feu à ton local, au concierge, etc. » Et donc c'est redoutablement efficace parce que comment la personne va porter plainte, bien entendu, mais c'est sa parole contre la parole de l'autre. Le grand chef du cartel de Medellín, Pablo Escobar, il avait résumé tout ça en une formule. Ils allaient voir des fonctionnaires donc colombiens qui les gênaient, ils ne voulaient pas qu'ils mettent la drogue sur l'aéroport ou quoi que ce soit, et ils leur disaient « plata o plomo », l'argent ou le plomb, tu as le choix. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu prends du plomb. Voilà. L'espèce de chantage, l'intimidation, c'est ça. Et si l'individu en question qui est soumis à ce chantage d'intimidation, s'il se sent seul, s'il n'a pas derrière lui des gens pour le soutenir, si l'État n'est pas suffisamment fort et suffisamment présent, et il l'est très peu en Colombie, et il ne l'est plus beaucoup dans certaines zones du territoire français, l'individu cède. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'intimidation, c'est une arme extrêmement efficace et fort difficile à pénaliser. Je me suis déjà rendu compte que c'est une poignée de délinquants qui empoisonnent le quotidien des résidents de Seine-Saint-Denis. La ville d'Aulnay-sous-Bois compte plus de 80 000 habitants. 80 000 personnes qui vivent dans la crainte de quelques trafiquants squattant l'entrée de leurs immeubles. Durant ce coup de filet, j'ai pu voir que la majorité des habitants regardaient les événements avec approbation, certains ne s'empêchant pas de féliciter ouvertement les policiers. Afin d'éviter d'éventuelles représailles, je préfère ne pas vous montrer ces personnes. Toute personne qui était interviewée pour quelque chose, si elle est reconnue ou il est reconnu, bon après les représailles, soit c'est sous les gants, soit c'est sur... Il y a le vandalisme. Et vous n'avez rien à dire, c'est voir et entrer vite fait et fermer la porte. Ils sont sous le palier, ils font leurs petites transactions de drogue, de piqûres, de tout quoi. Je demande donc à Steph et Tony de me montrer concrètement ce qu'est un hall squatté par un trafic. Et il n'y a personne ou quoi? Si, ça bouge derrière. Donc le hall est juste devant la mosquée en fait. Exactement. Ouais. Il dit juste en face de la mosquée. Là c'est un chauffe là. Hein. Là-bas où. Celui qui a prévenu qu'on arrivait. Dès l'entrée dans le hall, les chouffes signalent notre arrivée en sifflant. Sur le palier où se déroulent les transactions, deux acheteurs attendent leurs produits. Bonjour. Ne pas, ça sert à rien, ça vendra pas. D'accord, c'est un barrage, là. Ouais. Yvan, lui, est derrière, Yvan. Il est derrière, Yvan. Là, il est comme il rentre. Ils empêchent tout le monde de monter. Donc, le vrai, il faut que j'ai pour la force. Lorsque nous arrivons en bas, je découvre qu'une mère de famille n'a d'autre choix que de prendre l'ascenseur pour accéder à son foyer. Encore une fois, je me mets à la place d'un parent dans ces conditions extrêmes. Comment assurer l'éducation de ses enfants lorsque l'entrée de son logement est utilisée pour le trafic de drogue? Chouf et dealer attendent le départ des policiers pour réouvrir la droguerie. C'est la contrainte totale. Hein. Ah bah c'est clair, hein. C'est clair. Ça c'est clair net. Ils ont pas leur mot à dire. Ils sont victimes de ça. Hein. Là-haut, là. Ouais. Tout en haut, ça a cramé. C'était un point de deal. Les jeunes, ils avaient... Les bandits avaient tout bloqué. Et il y a un appartement qui a pris feu, il y a 5 personnes qui sont mortes à l'intérieur parce qu'elles n'ont pas pu sortir. Que dans les étages, ils mettent des caddies. Ils mettent des cadenas, ils accrochent des caddies pour que nous, on puisse pas monter dans les étages. Mais le problème, c'est que les habitants, ils peuvent pas monter non plus. Ils peuvent pas descendre non plus. Et là, sur l'incendie, ça a fait dysfonctionner les ascenseurs. Et donc, les gens n'ont pas pu descendre. Donc, il y a 5 personnes qui sont décédées là. Dont des enfants d'ailleurs, je crois. On est là dans la définition de Palerme du crime organisé. Des gens qui vivent de ça, qui sont réunis de manière durable et entre lesquels il y a un partage des rôles et un partage des bénéfices. J'ai
j'ai beaucoup appris sur cette véritable économie parallèle qu'est le trafic de stupéfiants. Ainsi, dès le plus jeune âge, on est soumis à la tentation de l'argent facile, puisqu'on peut être embauché comme guetteur pour un salaire horaire bien supérieur au SMIC. Ensuite, à l'adolescence, on peut gravir les échelons et devenir dealer de porte cochère. Ce sont de véritables PME où les patrons roulent en 4x4 de luxe. Dès lors, ces exemples de réussite bling-bling attirent les esprits les plus fragiles. À l'heure où normalement les jeunes apprennent à faire la différence entre le bien et le mal, ceux du 9-3 grandissent au milieu des trafics et de la violence. Le McDonald's du Clos Saint-Lazare vient d'être braqué. Il y a eu échange de coups de feu entre les bandits et la police. Marco étant à proximité, il part à la recherche des malfaiteurs. Ils sont partis par là avec leur bagnole ? Non, ils se tapaient, ils sont partis en courant. C'était quoi comme genre de mec ? Un black, assez grand, fin. Ok, les mecs, ils ont pris la fuite par là ? Comment ? À gauche, là ? Ouais, ils ont pris la fuite en direction LND là-bas. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi ? C'est trois blacks, c'est ça ? Marco et son équipe investissent les halls d'immeubles voisins, les braqueurs pouvant s'y être réfugiés. Ça, c'est la police. Vous avez rien vu de particulier ? Vous n'avez pas vu de bruit ? Les gens qui montaient rapidement ? Non ? Ok. J'ai vu trois jeunes rentrer là. On nous a dit de ne pas bouger. On est resté là. Il y a un qui est passé derrière. Il y a un qui est passé à la caisse. Et un, et il m'a mis le pistolet qui ne bouge pas. Il est resté là. Il m'a dit de ne bouger pas. Et l'autre, avec la caissière, le pistolet comme ça. Et il tirait de la caisse, il prenait l'argent. Et l'autre, il était parti avec des managers pour prendre l'argent. On s'est réfugié dans les toilettes sans qu'ils nous voient. On a appelé la police. On a entendu des coups de feu. C'est quand on est sorti des toilettes. Et on a vu les cinq personnes rentrer dans un véhicule Laguna refoncé, filer à tir l'arrigo jusque dans la cité du Clos. Quand ils ont sorti, ils ont parti un peu, ils ont pris fuite, ils ont tiré deux fois. Bonsoir, c'est la police, pour nous ouvrir, s'il vous plaît. Ils ont pas couru 10 bornes. Hein. Ça vous a surpris que ça se passe comme ça ? Non, j'avais déjà vu le braquage de Franprix un peu plus loin. Donc, c'est pas ce que j'ai vu à l'époque. Voilà, dans la région, malheureusement, ça arrive fréquemment. Je suis habitué. Vous êtes habitué ? Oui, je travaille dans un magasin. Si c'est pas une fois par mois qui se fait braquer. Une autre équipe de la CS vient de coincer les braqueurs. Deux armes de poing et de l'argent ont été retrouvées. Comment t'as réussi à trouver où étaient les auteurs En fait, on avait une direction de fuite, et comme ils ont arraché le tiroir caisse, tout simplement on a suivi les pièces, on a fait au petit poussé, on va dire, ce qui nous amenait à un pavillon, et dans le jardin du pavillon, on a retrouvé trois individus. Et on a retrouvé les armes au-dessus d'un petit muret qu'ils avaient caché. Encore une fois, les auteurs sont dramatiquement jeunes. Ils ont quel âge ? 18 ans. Cela fait maintenant près d'un mois que je parcours le 9-3 d'un bout à l'autre, et il ne s'est pas écoulé une journée sans que la radio n'annonce un vol portière. En 2008, c'est près de 11 000 vols avec violence qui ont eu lieu en Seine-Saint-Denis. 6 fois sur 10, les auteurs sont mineurs. Bon Pascal, regarde. Ici, tu as l'avenue qui rompt. Regarde, à droite tu as un feu rouge. Ils tapent la voiture, ils prennent le sac à main, ils rentrent par ici, ils sont dans leur cité. Et la victime, elle n'a même pas le temps de comprendre que les gars sont déjà loin. Toutes les femmes n'ont pas le réflexe de mettre le sac à main sur le tapis. Elles le mettent, tu sais, sur le siège, forcément, bah, eux ils repèrent. Hein. C'est les prédateurs, hein, ni plus ni moins. Hein. Ils trouvent une bonne proie, puis au moment... Au moment où ils peuvent, ils tapent. Hein. On est en face de la cité des poètes. On a des individus qui commettent de nombreux vols à la portière. Et en face, c'est une publicité. Vous pouvez noter, halte aux agressions, blindés, teintez-vous vite. Quand même formidable. Hein. Mais alors, comment faire pour stopper ce phénomène ? La solution est dans la persévérance. Durant 3 jours, par 0 degré, je planque dans un véhicule banalisé appelé sous-marin. Celui-ci est placé aux abords d'un feu où il y a quotidiennement des vols portières. Là, tu as la cité d'Orgemont qui est plus connue pour du trafic de stupéfiants, de type héroïne, on va dire. Et à côté de ça, tu as des gamins à peu près de entre 14 et 17 ans qui profitent de la proximité de la cité, de cette protection pour voler des sacs. Rien ne les empêchera, si la personne s'accroche à son sac, de,
d'être frappé ou d'être traîné, parce qu'on l'a vu sur les vols à arrache, ils arrivent en scooter, ils vous traînent sur 10 mètres, ça leur pose aucun problème. Hein. La personne, elle peut être blessée physiquement et surtout intérieurement, parce qu'il y a quand même un choc. Hein. Voilà pourquoi c'est un vol violence. Il y a quelques jours, j'ai constaté cela avec Marco. Mademoiselle, vous les avez vus? Vous pouvez monter, mademoiselle? On va aller faire un tour. On va voir si on peut les reconnaître, si vous pouvez les reconnaître et essayer de les serrer là. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme info vite, parce qu'il faut que je les transmette à mes collègues. 4 personnes noires. Sur 2 scouts? Oui, sur 2 scouts. Vous êtes blessé? Légèrement. Légèrement. Ouais, mais vous voulez qu'on appelle les pompiers ou pas? Non, c'est... Ils ont cassé la vitre de votre véhicule en fait? Oui. D'accord. Un coup de poing et puis... Ils ont pris mon sac et j'ai essayé de courir après, mais enfin, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est passé tellement vite, je crois qu'il avait une capuche grise, donc j'en ai vu un là, mais bon, après, on trouve des capuches. Hein. Ils ont pris confiance, ils s'organisent de plus en plus. Déjà, ils se séparent, quand ils partent, en général, ils se dispatchent. Et après, donc, dans les fourrés, ils récupèrent une autre veste. Donc, on se retrouve avec des signalements bien précis que nous, on arrive, le temps d'arriver, souvent, le temps que la personne nous appelle, soit ils sont déjà rentrés dans leur quartier, soit de toute façon, même si tu les croises. Sur la description, tu n'auras pas du tout la même, donc c'est très bien organisé. J'ai eu l'occasion de vérifier cette organisation lorsque Steph et Tony contrôlaient un scooter venant de servir à ce type de vol. Et c'est un scooter jaune qui a tapé tout à l'heure? Je l'ai mis là-bas. Tiens, regarde, il est là, vas-y, il y en a un là. C'est quoi comme scooter là? C'est un scooter jaune. Vas-y, serre-le. Ouais, il y a... À qui appartient le scooter? Moi. Et votre nom, c'est comment, monsieur? Très bien. Les papiers du scooter? Ils sont chez moi. Alors, vous devez les avoir sur vous, les papiers. J'envoie un message à mon frère. Non, vous n'envoyez pas un message. Tu l'as palpé? Non. Ouais, donc en fait, le scooter, il a servi... Lui, là, il a prêté son scooter à deux autres gars qu'on fait le vol portière. Et là, ils viennent de le récupérer, donc concernant le scooter, on ne peut rien faire. Pour nous, t'imagines, pour essayer d'en avoir, de faire un mec, là, on est obligé de monter un dispositif avec 8-10 fonctionnaires. Donc ça prend du temps, ça prend du matériel, ça prend tout ça, et on attend tout simplement qu'eux, ils aient envie de casser. Parce qu'ils commencent par ça, et après, ils peuvent monter beaucoup plus haut, voilà, c'est... On commence par des affaires un peu plus simples et demain, comme on a pu le voir à Villepinte, après c'est des jeunes du même âge qui étaient connus pour des faits similaires qui vont pour essayer d'attaquer un camion de la Brinks. Ce qu'on a fait hier, ils avaient été interpellés il y a 2 semaines pour des faits similaires dans le même quartier. Donc tu vois, c'est que derrière on cumule des victimes, on cumule à mettre des moyens, mais derrière c'est qu'il n'y a pas la punition que... Nous on fait notre travail, hein. Nous on prend de notre temps, on essaie de mettre tout en place pour être là, mais après, il faut qu'il y ait une vraie sanction. Malgré des conditions climatiques extrêmes, la planque continue. Ouais, de Benoît, il y a un collègue qui peut le reprendre, ce mec-là. Ouais, il s'est foutu dans la haie, au niveau de la haie, après le café. Bien, il chauffe dans tous les sens. Il chauffe au feu. Il est en train de faire le chauffe dans la rue, là. Alors surtout, on ne monte pas de véhicule pour l'instant. Chris, t'as reçu? Portable encore. Il se déplace. Il remonte. Ouais, donc là, il remonte. Non, il s'est arrêté au niveau de la Laguna. Il remonte un petit peu vers le feu en direction de Gallieni, mais pour l'instant, il s'immobilise encore sur le trottoir. Et il repart au taxiphone, Il repart dans l'autre sens, taxiphone. Il repart là, il repart vite fait, il se casse. Il repart Fissa, inverse Gallieni, donc je sais. Et au téléphone. Il remonte en courant. Il remonte en courant, direction le feu, il revient vers nous, direction le feu, il va taper. Hein. A priori, il va taper pour l'instant, on bouge pas. Il a raté une caisse. Ouais, il a raté, il remonte. Il remonte direction le feu. Hein. Il va taper. Pour l'instant, il remonte les fils de voiture vers le feu. Il tape, c'est parti, il tape. Viens là! Arrête-toi!
Bague-toi. Bague-toi. Tu te calmes. Oh, je suis Cordostein. Là. Là. Il a tapé une voiture. Là. Là. Je l'ai avec moi. Interpellation. Ouais. Bouge pas. Vous n'allez pas ça. Interpellation. Le sac. Il l'a, c'est bon le sac. C'est bon. Interpellation. C'est bon, on a interpellé dans le hall là. C'est bon. Je vais voir s'il y a du monde dehors. Ouais, va voir, il y avait du monde. Se rapprocher. Parce que je vous ai vu. Bah, je vais tout de suite. Voilà. C'est bon. On est dans le square de Stein. C'est bon, la voiture. Descends la voiture. T'as rien sur toi? Il avait donc fallu que 10 policiers planquent durant 3 jours pour coincer ce voyou de 15 ans. Lors de son arrestation, je me rends compte qu'il est déjà célèbre. Ce jour-là, on trouvera sur lui 10 grammes de haschich et un iPod volé. 2 jours avant, il avait arraché son sac à une femme. La semaine précédente, c'est une voiture qu'il avait fracturée. Je me doutais quand je suis arrivée sur le feu rouge. J'ai vu un jeune qui regardait à l'intérieur des voitures, donc j'ai rabaissé la fermeture des portières. Et bon, il a cassé le carreau. Donc. Pour l'heure, il est placé un jour en foyer, le lendemain chez sa mère. La semaine suivante, il est à nouveau arrêté pour un vol portière. Alors une question évidente me tenaillait. N'y a-t-il donc aucune solution à apporter? De toute façon, il va ressortir et puis il recommencera demain. Il l'arrête, mais bon, même pour eux, je pense que ça doit être aussi un petit peu... Ils doivent être un peu dégoûtés. Bon, là, c'est super, j'ai mon sac, j'ai tout. Mais bon, je pense que c'est quand c'est comme ça plusieurs fois et qu'on le relâche après, non, faut faire quelque chose, quoi. Parce que là, c'est une voiture, mais la prochaine fois, ce sera quoi? Si moi, j'avais résisté pour mon sac. J'ai terminé mon périple en Seine-Saint-Denis avec un sentiment d'amertume. Selon l'Institut de criminologie français, seulement un quart des auteurs d'infractions sont poursuivis. La moitié seulement sera condamnée et exécutera la peine. La population honnête, majorité des 1 500 000 habitants du 93, vit dans la peur de bandes d'opportunistes ou de trafiquants. L'appareil d'État, pour être efficace dans ce domaine de violence urbaine, il doit considérer une chose, que la seule origine certaine du crime, c'est le criminel lui-même. Tout ce qu'il y a en amont, c'est flou, c'est confus, c'est discutable, il n'a pas vécu dans le bon quartier, sa maman ceci, son papa cela. Tout ce qu'on appelle la culture de l'excuse, c'est flou, c'est discutable, certaines fois c'est vrai, certaines fois c'est pas vrai. Quand on s'égare là-dedans, la criminalité persiste. Quand on veut faire baisser la criminalité, il faut considérer que le seul point d'ancrage sérieux, la seule origine sérieuse du crime, c'est le criminel lui-même. On prend le criminel, des gens qui ont l'occasion de commettre des crimes à répétition, parce que ce qu'on appelle le problème criminel dans la société, en réalité, c'est le problème de la récidive. Si jamais tous les criminels ne commettaient chacun qu'un seul crime, la société serait merveilleusement paisible. Donc quand on sait que, un, la seule origine sérieuse du crime, c'est le criminel lui-même, et que le seul problème criminologique qui vaille, c'est celui de la récidive, on prend des gens qui ont déjà des situations de passage à l'acte. On les cible, on essaye de les prévenir, de faire de la prévention le plus possible en les dissuadant de commettre ces actes illicites. Et puis quand ils ont agi quand même, on les réprime et à ce moment-là, la criminalité s'effondre. Par les méthodes en question, cartographie criminelle, cibler les criminels, s'en prendre à eux et à eux seuls. Il ne s'agit pas de réprimer des populations entières, il faut faire de la microchirurgie. J'ai l'impression, pour des raisons qui m'échappent, cette histoire de violence urbaine est traitée par tous les gouvernements successifs de la Ve République comme une patate chaude. On en parle un peu au moment des élections, et puis après ça on dit pas de vague, etc. Et ça n'a jamais vraiment été une priorité. Un beau jour, on a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'attentats terroristes en France. L'appareil d'État français s'est mis en ordre de bataille, les diplomates français, les officiers d'enseignement français, les policiers, les magistrats, et en gros, il y a moins d'attentats en France qu'ailleurs. Il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, des attentats graves en Espagne, en Angleterre, voilà. La France a su se protéger de ça. C'est pas plus difficile de mettre au pas des bandes de voyous que des groupes de terroristes. Il est naturellement évident que si on veut, on peut.
Le jour où ça devient une priorité, où la justice est enjointe de faire un certain nombre de choses, la police, etc., où on met l'appareil en ordre de bataille, l'affaire est réglée en 6 mois. J'ai voulu voir la situation en Seine-Saint-Denis de mes yeux, être sur le terrain pour observer plutôt que dans un bureau et imaginer. Alors après 2 mois dans le quotidien du 9-3, qu'ai-je constaté? En premier, j'ai été frappé par l'extrême jeunesse de la plupart des délinquants qui jouent au caillassage façon rebelle sans cause. Très vite, ils pourront intégrer des bandes aux pratiques mafieuses ou se laisser aller au vol violent. J'ai constaté que les policiers connaissent très bien les noyaux durs de délinquance dont les criminologues nous assurent qu'ils pourraient être brisés très rapidement. Je me suis rendu compte qu'une véritable société parallèle aux logiques claniques tente de contrôler le territoire. Dès lors, la population est prise en otage par des préoccupations qui la dépassent. J'ai personnellement ressenti un fort sentiment d'injustice en constatant d'une part que la justice est impuissante face à la jeunesse des délinquants, d'autre part que nos élites intellectuelles oublient trop souvent les honnêtes citoyens de Seine-Saint-Denis en trouvant des excuses aux bandits qui les terrorisent. Pourtant, au-delà de cet immobilisme, je me souviens d'un adage au bon sens populaire « Il n'existe pas de problème sans solution ». Alors faisons le pari d'un avenir meilleur, plus serein.